Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Corona Wingus. Et bien aujourd'hui, on va enchaîner de suite. Alors, c'est parti. Voilà pour cet exercice, vous avez besoin juste d'un bâton. Comme d'habitude, un manche à balai sera parfait. Et on va travailler la même logique que ce qu'on avait travaillé lorsqu'on avait fait notre Tao contre le mur entièrement, c'est-à-dire l'alignement de la colonne vertébrale. Ici, on va venir mettre le bâton contre le mur et on va venir le faire toucher au niveau des lombaires, d'accord? Juste toucher, il faut que le bâton il puisse un peu bouger. Par contre, maintenant, moi, je vais faire comme quand on était contre le mur. Mes lombaires, je vais venir les faire toucher le mur en venant m'asseoir. D'accord? Donc, je suis bien assis. Je garde l'alignement de ma colonne droite. Par contre, le poids de mon corps n'est pas entièrement dans mes talons. Et en faisant ça, je vais faire le Tao. Vous pouvez aussi faire votre école de base ou n'importe quel autre mouvement. Ce qu'il faut, c'est garder cette pression. Et si vous la perdez pendant votre Tao, le bâton va tomber. Voilà. Ceci étant dit, on passe tout de suite au prochain exercice. Ok, alors pour cet exercice, j'ai pris une assiette. Là, ça va être très simple. On va venir poser l'assiette sur la tête. Alors, vous pouvez prendre un livre ou autre chose, c'est pareil. Tant que c'est plat et équilibré, ça marche. Alors, déjà, on pourrait faire son Tao en gardant l'assiette sur l'assiette. L'assiette sur la tête. Ça nous permet de garder la structure droite et l'alignement de la colonne. Nous, c'est pas ce qu'on va faire. Déjà, on va venir faire des squats. D'accord? Alors, comme vous êtes capable de faire des squats, tranquillement, on va faire un squat. On va déporter la colonne sur une jambe et on va tendre la jambe, comme pour donner un coup de pied. On va refaire un squat, on va aller de l'autre côté, on va tendre la jambe. On va refaire un squat, on va aller de l'autre côté, on va tendre la jambe. Et essayez de tenir, voilà, un petit peu avec votre jambe devant. Une fois que ça, vous l'avez tranquillement, ce qu'on va essayer, c'est de mettre un petit peu de puissance dans la jambe, d'accord? De manière à ce que chaque fois que je tape, j'ai pas toute la structure qui bouge et l'assiette qui tombe de la tête. Il faut, quand on met un petit peu de puissance, qu'on soit capable de conserver sa structure. Voilà. On rabaisse et on va faire l'autre côté. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et ben, on passe à l'exercice d'après. Ok, donc pour cet exercice, on va faire un 5 sur le sol. Donc moi, j'ai pris des gants, des chaussettes, mais si vous voulez faire quelque chose qui reste, bah vous prenez des petits bouts de papier, tac, du scotch, ça ne bouge plus. Deuxième point, si vous faites plusieurs 5 au lieu d'en faire qu'un, si vous avez un grand espace, bah ça vous donnera une plus grande zone de déplacement. Et oui, parce que ça va vous servir à voir nos déplacements. Donc, ici, pour le moment, je ne suis pas dans le 5, on va décider de rentrer à l'intérieur. Tac, donc je suis rentré là, de cette manière-là, mais il y a plusieurs manières d'y rentrer. Et dedans, après, suivant où vous en êtes, vous allez faire vos déplacements. Et à vous de trouver tous ceux qu'on peut faire. Là, je peux aller tout droit pour faire un pas droit. Je peux venir me remettre à 45. Si j'étais resté là, je peux aussi me mettre en irasse pour reprendre le centre vers l'autre pointe qui est là-bas. Là, je peux venir reculer ce pied-là. Je peux décider de faire un coup de pied posé. Coup de pied, là, ça va me faire travailler mon pas croisé. Donc, je peux venir ici, 1, 2, reposer, 1, 2, revenir prendre mon irasse, et ça va être à vous de vous déplacer entièrement à l'intérieur de ces 5 points. Voilà, ceci étant dit, c'est parti, on passe à la suite. Bien, dans cet exercice, on va travailler le relâchement dans la frappe et aussi la justesse de celle-ci, exactement comme dans l'exercice avec la feuille. Pour ça, on a besoin d'un briquet, d'une bougie, magnifique, j'ai inversé les deux, et forcément, le briquet va servir à allumer la bougie. Et ça va être à nous de devoir l'éteindre en faisant un coup de poing. Pour ça, on va venir relâcher entièrement le corps, être complètement relâché. Et le conseil que je peux vous donner, c'est ne pensez pas à la bougie, ne pensez pas à vouloir l'éteindre, mais soyez dans votre mouvement. Faites votre mouvement. Si le mouvement est juste, ça éteindra la bougie. Voilà, ceci étant dit, à votre tour. Voilà, et bien j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bon entraînement à tous. Allez, ciao.